Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, Nous avons vu le Seigneur. Et il leur déclara, Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, viens. Alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux, il dit, « La paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, très chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'Évangile, vous qui nous accompagnez durant toutes les années liturgiques A, B et C, nous sommes toujours heureux de vous avoir parmi nous et de vous compter parmi nous. N'oubliez pas toujours, comme chaque dimanche, d'aimer, de partager et de commenter. C'est toujours important pour permettre à la chaîne de prendre de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Et comme vous le savez sans doute, nous sommes toujours dans la joie de la résurrection. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de Pâques, ou encore le dimanche de la divine miséricorde de l'année liturgique A. À travers les textes que nous venons d'écouter, notamment l'Évangile, avoir la vie en son nom. L'abondance qui émane du ressuscité efface tous les doutes, légitime ou non des apôtres et de toute l'Église née de la foi en Jésus. Il montre clairement, physiquement, les effets de sa résurrection par son corps intact et renouvelé, le seul endroit où reste le souvenir de la mort et donc du désespoir et de l'insignifiance de la vie de disciple faite avec le Nazaréen. C'est dans le cœur de quelques apôtres arrivés en retard au rendez-vous avec l'apparition. Mais pas de problème. Malgré les fortes affirmations de Thomas, sa réticence même face à une assemblée entière qui affirme le fait extraordinaire, avec Jésus, il y a de la place pour tout le monde. Pour ceux qui arrivent les premiers au tombeau, mais aussi pour ceux qui, les derniers, ont besoin de voir et peut-être de toucher. Jésus veut que tous puissent dans sa résurrection et que celle-ci devienne source de foi. Oh là là, la foi, que c'est merveilleux. Qu'est-ce que cela signifie pour nous de croire au ressuscité? S'agit-il simplement d'un des nombreux points de notre croyance ou cela devient-il une réalité à vivre et à partager? Pourquoi alors Jésus déclare-t-il « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont néanmoins cru. Qu'est-ce que Dieu veut augmenter en nous par le don de l'expérience du passage du Fils par la mort? Le but est de nous ressusciter dans tous les sens du terme, et un sens particulier de la résurrection se trouve dans notre confiance en lui. Si Jésus manque dans notre vie, tout perd son sens, tout s'éteint et finalement la joie est perdue. Et il arrive souvent que nous soyons amenés à cette dimension lorsque la prière ne trouve pas ses sensations fortes et que l'on a l'impression d'être aussi sec que le désert. Peut-être avec un cœur fermé comme Thomas, qui ne peut que faire confiance à la logique et à l'expérience qui décrète qu'il est impossible de revenir d'entre les morts. Et pourtant, avec le ressuscité présent au milieu de nous, c'est aussi le contraire qui se produit. L'évidence des faits de l'apparition du témoignage des autres est si grande que l'on lutte pour croire, pour convertir son cœur à la possibilité que l'histoire n'est pas encore close et terminée. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le dernier mot revient au Christ et non à la mort, laissant donc cette nouveauté pénétrer notre pensée et changer notre façon d'agir. En ce deuxième dimanche de Pâques, de la résurrection, ne nous enfermons pas dans nos fausses et petites certitudes. Ouvrons-nous à ce que le Christ a préparé pour nous et jouissons-en avec nos frères. Le cadeau qui nous est fait est donc celui du dimanche nommé par Jean-Paul II, dimanche de la miséricorde. Ne cessons jamais de sonder ce mystère de beauté et d'amour. À tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche, bonne fête de Pâques, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous.